C'était l'histoire d'un garçon qui a été aspiré dans un labyrinthe. Une fois qu'il avait la bonne énigme, il pouvait affronter les monstres. Et de niveau en niveau, ça augmentait la difficulté. Le premier décor, c'est le labyrinthe qui ressemble à un QR code. On a fait des monstres en quelque sorte. Il y a des monstres en bois, en pierre et en os. Et des portes qui font référence aux énigmes. Il fallait programmer que le personnage puisse suivre le décor, que le décor bouge avec. Pour les monstres, il fallait programmer, par exemple, quand on touche le monstre, il perd une vie ou alors il recommence le niveau à zéro. Je faisais plusieurs thèmes, par exemple le thème du combat, du menu, de la défaite. Et ils disaient si c'était bien ou pas. Et du coup, après, avec leurs conseils, j'ai pu concevoir les musiques. Il s'agit d'un scientifique qui a créé une machine à remonter dans le temps. La mission a échoué et il a été renvoyé en moins 1000. Et il essaiera de retrouver sa famille et de remonter dans le temps.